vous allez bien. Aujourd'hui, en relation avec le mauvais temps qu'il fait en Alsace en ce moment, une petite crème pour les mains. Voilà, voilà, voilà. Alors, elle va pas être très nourrissante parce qu'en fait, c'est une crème pour les mains que je mets dans ma trousse pour l'école. Et quand je vais à l'école, eh ben, j'ai pas le temps d'avoir une crème qui pénètre tout ce que tu veux, tu vois. Faut qu'il y ait un truc qui fasse bam, bim, boum, je la mets, c'est pénétré, tu vois. J'ai pas le temps. Le mec qui a pas le temps. J'ai pas le temps. Oui, alors, regardez. Pas lumière. Lumière. Pas lumière. Lumière. Bref, je me suis acheté un ruban lumineux. Un ruban LED chez Lidl. Je vous en parlerai dans mes produits terminés. Non pas parce qu'il sera pété, mais parce que j'avais envie de vous en parler. C'est de la marque Livarno Luxe et c'est le ruban LED lumineux 3 mètres. Ça va coûter 9 euros, génial. Mais en attendant, on a des vidéos de qualité supérieure. Bah oui. On passe tout de suite aux ingrédients. Vous allez avoir besoin d'un gramme de cire émulsifiante numéro 3. Ok. 4 grammes d'huile végétale d'amande douce. Oui, on ne sait plus pourquoi, mais en fait, elle a fui. Du coup, ça m'a complètement pété mon étiquette. Super sympa, merci. Ensuite, 25 grammes d'eau. Voilà. Alors, pour parfumer, parce que j'en ai retrouvé, je ne sais pas que j'en avais encore, c'est la cire florale de jasmin de Sambac qui est puissante et addictive. Elle a une odeur. Personne n'aime, hein. Mais moi, j'adore. Qu'est-ce que ça sent bon? Bon, c'est hyper fort, hein. Mais qu'est-ce que ça... Parce que là, j'ai le nez bouché, j'ai le rhume, j'ai la toux. Bref, j'ai tout ce que tu veux et j'arrive à sentir ça. C'est pour vous dire que ça sent fort. Les actifs. Pour les actifs, on va mettre 0,1 g de microsphère de silice. Allez, comme ça, ça fait un toucher mat directement. Comme ça, on peut continuer à écrire sans être dérangé. 0,5 ml ou g de complexe hydratation intense. Alors ça, c'est vous qui voyez. La microsphère de silice, je trouve ça utile dans une crème pour les mains. Je trouve ça utile, ça hydrate quand même, hein, parce qu'il faut pas abuser non plus, il faut quand même que ce soit un peu hydratant. Et 6 gouttes de Cosgar. Bon ben moi je vais foutre tout ça, je vais foutre tout ça à chauffer. J'ai réservé la cire de jasmin Sambac un petit peu plus à côté, que je mettrai quand la cire sera un petit peu plus fondue, parce que sinon bien évidemment l'odeur ne reste pas, et ce serait bien dommage de gâcher une cire qui coûte 4 euros les 10 grammes, enfin presque. Bref, moi je vous dis à tout de suite, je parle beaucoup trop, c'est horrible. Ah oui, avant de faire la recette, quelque chose que j'oublie tout le temps de dire, on désinfecte tout ce qui va être en contact avec la préparation et j'en fais pour un minuscule contenant de 30 ml parce que moi j'aime pas les grosses crèmes pour les mains. Voilà, voilà, voilà. Et bah à tout de suite. Donc voilà, elle est déjà présent terminée. Oui, alors ils disent 30 ml, mais en fait on peut en mettre 50. Je comprends pas ces flacons qui disent ouais, 30 ml. En fait, non, on peut en mettre 50 ml. Waouh, trop bien.
Bref, moi je vous dis, j'espère que la vidéo vous aura plu, j'espère que la recette vous aura plu. Moi je vous dis à très bientôt, moi la vidéo, ciao ciao.